还不需要，反正这边。其实可以试试。嗯。
同时进行，这样就要快一些。 最主要就是它石头那一面要多水。正面可以少一些。也是砂岩吗？我们用这个脚可以拿走。
de reviewing. Donc l'endroit où Zhang pose sa main, c'est l'empreinte d'une main. Et ce sont les deux lignes verticales du caractère Bouddha. Et c'est juste l'écartement de deux bras humains. Et c'est le premier des caractères. Donc une personne qui grimperait le long des quatre caractères commencerait par grimper sur le caractère Fo. C'est aussi le seul détail pictographique qu'on a et qui est reconnaissable dans ces caractères qui ont une forme très particulière et très charnue. Et ça, c'est la seule partie qu'on peut reconnaître vraiment comme des membres humains. C'est le seul exemple qu'on a d'une calligraphie qui est gravée sur une falaise vierge et qui n'a pas été aplanie avant d'être gravée. Donc les caractères s'appuient sur des protubérances et sur des trous, des fentes qui existaient dans la roche au préalable. En haut, c'est une grotte naturelle, à la manière d'une bouche. On n'a jamais été sur le site en temps de pluie, mais on pense que quand il pleut, il doit y avoir de l'eau qui rentre et qui ressort. Il doit y avoir quelque chose qui se passe avec cette ouverture. Cette porte, cette bouche de la porte du vent, par laquelle on voit directement le lac de Dongping et la manière dont la vallée se construit. Et puis alors, ce petit chemin qui a visiblement été aménagé et donc par lequel on arrive à sa plateforme. Et donc d'en bas, voir quelqu'un qui sort d'ici, c'est comme voir quelqu'un qui émerge de la falaise. Thank you.
你这个怎么样？你看吧，不要。嗯。对。没有办法。就是不愿意把纸留在石头上面。啊，没事没事。我们再来。我们试试掉。没有办法。啊，这个石头的瓷儿很深的。 或者把两个线条我们想清楚了。对，两个大的线条。嗯。嗯，这样出来了，这样形成了一个，然后收起来。哎，对，从这儿接。以后从这儿接。嗯。再来。对。